Qu'est-ce que ça fait déjà de prendre un but? Parce que vous en prenez tellement peu, ça peut paraître évidemment une question un peu bête, mais quand on a une défense aussi hermétique, 7 fois sur les 10 derniers matchs, vous n'aviez pas pris de but, ça devient presque un étonnement pour vous. Ouais, mais c'est frustrant parce que c'est sur coup de pied arrêté et on savait que c'était un domaine où justement ils sont performants. Et ce soir, ça s'est joué là-dessus. Mais oui, c'est frustrant parce que je pense que ce 0-0 n'aurait pas été immérité au vu de peu d'occasions de part et d'autre. Maintenant, voilà, ils ont su être performants dans ce domaine-là, là où ils le sont quasiment à chaque journée. Ils sont inquiétants dans ce domaine-là. Maintenant, voilà, nous on a montré le visage qui n'était pas forcément le nôtre. On a été un petit peu plus sur le reculoir, moins d'agressivité. On a perdu pas mal de duels. Et pourquoi? Je sais pas. Peut-être que aussi à l'enchaînement des matchs, il y a de la fatigue. Peut-être que justement, il y a eu de la pression. Ils ont mis un système qui nous a embêtés. Et c'est vrai que voilà, on a été moins performant dans tout ce soir, ce qui fait que ce qu'on a perdu cette rencontre sur un détail. Voilà. Vous aviez été impressionnant contre Marseille. Est-ce que, quand on tutoie les sommets, ce qui était le cas, vous étiez deuxième avant ce match, est-ce que c'est pas trop enivrant? Est-ce que tout le monde peut se dire à Montpellier qu'on peut jouer la deuxième place? On parle pas de la première, mais de la deuxième ou de la troisième, ça, parce que là, ça veut dire rester tout en haut. Est-ce que c'est pas trop enivrant? Non, c'est juste être ambitieux. Tout simplement, je pense qu'on a beaucoup de capacités, on a aussi beaucoup de marge de progression. À l'image de ce soir, il va falloir se servir de ce match-là pour progresser, être encore plus solide et peut-être arriver à renverser la tendance dans ce genre de rencontre, ce qui n'a pas été le cas ce soir. Maintenant, si on veut rester en haut du tableau, c'est le genre de rencontre qu'il va falloir gagner et ce qui peut nous permettre d'avancer. Donc voilà, à partir du moment où on ne réussit pas à remplir ce contrat-là, on commence un petit peu à détacher et c'est ce qui est un petit peu frustrant parce que quand on est en haut du tableau, on a envie d'y rester. Maintenant, ça demande beaucoup d'exigence et on l'a eu la preuve ce soir. Est-ce que ce n'est pas un peu le piège dans lequel peut tomber Montpellier qui défend, puis très bien en plus, et qui des fois peut-être ce soir en a oublié d'attaquer? Non, je pense pas que ce soir on ait oublié d'attaquer. Je pense qu'ils nous ont posé beaucoup de soucis avec ce système A3, avec beaucoup de taille, beaucoup de personnes athlétiques dans leur équipe, ce qui a fait que même sur les renvois, c'était difficile de gagner les duels. Et là, on aurait pu justement les embêter. Dans le jeu au sol, on n'a pas été performant ce soir. Donc je pense que voilà, cette défaite, on peut s'en vouloir parce qu'on aurait pu être plus performant à l'image de ce qu'on est capable de faire. Mais il faut s'en servir pour avancer parce qu'il reste 7 journées avant la trêve et il y a encore pas mal de points à prendre. Donc si on veut rester en haut, c'est ce qu'il nous reste à faire. Petit mot sur vous, le fait de ne pas être pris là en équipe de France. Vous étiez appelé là, lors du dernier rassemblement. J'imagine qu'on s'y fait et en plus, vous êtes très performant. Comment vous l'avez pris? Comment vous l'avez vécu cette fois-ci? Tout à fait normalement. Voilà, le sélectionneur fait ses choix. Moi, j'essaie d'être le plus performant, le plus compétitif possible. Maintenant, voilà, ça n'enlève à rien ce que j'ai envie de faire, là où j'ai envie d'être ambitieux. Et forcément, ça passe par de grosses performances dans mon club, si je veux vouloir retourner en équipe de France. Donc, il n'y a pas du tout de déception. C'est juste à continuer de travailler, être performant. Et après, le sélectionneur fera ses choix. J'imagine qu'on doit avoir une envie folle d'y retourner. Bien sûr, parce que c'est le sommet. Il n'y a pas de mots, c'est une fois qu'on est là-bas, il y a tout qui est grand. Et même en termes de progression, c'est quelque chose d'assez phénoménal. Donc voilà, maintenant à moi de continuer ce que je fais tous les week-ends et ça paiera un jour.